Des maths, chers amis bretons. Alors, je fais cette vidéo parce que je veux dénoncer un scandale sur Le Bon Coin. J'ai repéré cette annonce. Vous voyez, c'est un breton qui vend du beurre, bah, du beurre doux. Alors, c'est un scandale. Ce beurre n'a point de sel, donc sûrement point de goût. Et, en plus, il est breton. Il se prétend breton et il revend ça sur Quiberon. Donc, c'est scandaleux. Ce que j'ai fait, eh ben, je l'ai contacté. Je me suis fait passer pour un acheteur qui serait intéressé par son beurre doux. Alors que moi, franchement, il n'y a même pas moyen que tu m'en mettes sur ma tartine. Bref, je vais donner rendez-vous ici, là. Voilà, donc il va pas tarder. Normalement, il m'a dit qu'il était sur la route. Donc, on l'attend. Et puis, on va aller voir avec lui qu'est-ce que c'est que cette histoire de beurre doux. Hein ? Allez, à toutes les amis. Bonjour. Bonjour. C'est le stall Bon Coin ? Oui. C'est toi le dealer de beurre? Ouais, bah le voilà. C'est ça ton beurre doux? Bah oui, il vient de Bretagne. Ouais, de Bretagne, d'accord. Ouais. Alors, je vais t'expliquer un truc, garçon. Ouais. Parce qu'en fait, je suis pas vraiment intéressé par ton beurre. Ah bon? Non, je vais t'expliquer. Là, je fais une caméra cachée. Mais parce que ton beurre doux, là, c'est pas breton. En Bretagne, le beurre, il est salé ou demi-sel. Y a pas de beurre doux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est quoi ton beurre doux? Bah il vient de Bretagne, donc c'est doux. Bah il vient de Bretagne. Non, en Bretagne c'est dur. Là le doux, c'est pour les Parisiens, pour les Parigots ça. En plus il y a marqué quoi, président? Bah c'est, elle vient de monsieur Macron. C'est le beurre de Macron ça? Oui. Non mais Macron, il est pas chez lui ici. Ici c'est la Bretagne. Et puis Macron il est pas président déjà. Hein. Macron il est peut-être gouverneur. La France c'est plus... Ça vient de Macron. Regardez, ouais mais non président. Mais Macron il est plus président, je t'ai dit. La France c'est plus un pays. La France c'est un état. Ok, hashtag Californie. Donc non, ton beurre doux là, on est en Bretagne ici garçon. Donc tu vas avoir des problèmes. J'ai vu. Là, il y a beaucoup d'internautes qui vont voir la vidéo. On va te balancer, je peux te dire, parce que toutes tes annonces Le Bon Coin, à chaque fois tu mets des annonces sur des trucs de Bretagne, c'est pas de Bretagne ça. En Bretagne, il n'y a pas de beurre doux. Bah, pour moi ça vient de Bretagne, il y a monsieur écrit président donc. Ouais mais il n'y a pas de président en Bretagne. Chacun est libre en Bretagne. Chacun est son propre président. La Bretagne est libre. Donc il n'y a pas de beurre doux. Mets du sel dedans. Déjà, bah tu sais ce que tu fais, tu prends du sel, tu le mets dessus, voilà. T'as du beurre. Ah tu crois que je vais m'amuser à fondre ton beurre avec du gros sel? Bah, moi c'est ce que je fais. Et puis je vais me refaire mon beurre salé. Bah c'est ce que je fais moi, perso. Okay. Mais pourquoi t'achètes pas du beurre salé déjà? Parce que c'est mieux quand c'est nous qui le font. Mais non, tu connais le sel de Guérande? Ouais. Eh ben ça c'est du super bon sel. Ça tu le mets dans ton beurre, ça te fait des super goûté. Tartines. Ah ben voilà. Eh ben goûte. Voilà les amis. Alors on va peut-être l'excuser. Là je viens d'apprendre, il n'avait jamais goûté de sel de Guérande. Ouais, jamais. Et du beurre salé officiel, du beurre breton. Non, j'ai toujours connu le beurre non sel. Oh là là les gars, donc ça y est, on vient de mettre le doigt sur quelque chose de grave. Donc tu es breton pourtant. Ouais. Et il n'a jamais goûté de beurre breton. Alors qu'est-ce que c'est ça? Donc on leur apprend quoi à l'école aux gamins? On leur apprend à faire du sel et du beurre pour faire sa mixture. Pour vous dire, moi à mon école, on m'a toujours donné du sel, du beurre sans sel. Du beurre sans sel, ouais, dans les bon. Écoles. Alors ça c'est scandaleux. Donc là, il y a marqué président. Je m'adresse à monsieur Macron, là, qui se croit pour le président, là. C'est inadmissible que dans les écoles, il y ait du beurre sans sel. Dans les chips, il y a du sel. Bah, moi, perso, j'ai jamais connu avec du sel. Dans le pain, il y a du sel. Ça, je sais pas du tout. Je crois, bah, si. Et dans le beurre, normalement, il y a du sel aussi. Ouais, bah, moi, j'ai jamais connu avec du sel. Bah, les tomates, c'est avec du sel. Les œufs, la salade, avec du sel, tout avec du sel. Dans le ketchup, il y a du sel. Ouais, peut-être. Eh ben, c'est que dans les tomates, il faut mettre du sel. Mmh. Mettez du sel partout. Wesh, il y en a marre des maigrilous là. Mettez du sel. Une France obèse. Wesh. Oh, il faut boucher les artères ou pas? Non les amis, hashtag prévention. Ok, c'est vrai que le beurre salé c'est bon, ouais. Honnêtement, hein, ouais. Honnêtement c'est bon, concrètement. Moi perso, je mange tout le temps avec du sel, mais franchement. Voilà, bah, je m'en doutais bien. Un vrai breton, forcément, ouais. Il mange du beurre salé. Je promets pas, je mets du sel dedans, je mets tout avec du sel quoi. Ouais, mais le pain est salé. Ouais. Le beurre est salé.
Alors, il paraît qu'il y a même du sel dans l'eau, donc on s'en sort plus. Peut-être prendre du... Comment faire? Du pain sans sel? Si on prend du pain sans sel, on peut mettre du beurre salé. Mmh. Voilà, c'est peut-être la solution, les amis. Hein, après, bon, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Hein, après tout, il n'y a qu'une vie. Hein, mmh, il n'y a qu'une vie, donc... Mais en tout cas, le beurre doux, c'est quand même dégueulasse. Ouais. voilà. Ça, au moins, là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Donc, mettez un pouce en l'air si vous aimez le beurre salé. Un pouce en bas si tu l'aimes pas. Ouais. Et puis, tant pis, hein, pour toi, hein, mon ami, hein, tu connaîtras pas les bonheurs du beurre salé. Donc ça, qu'est-ce qu'on va en faire? On va peut-être pas jeter parce que ça se fait pas. On va le donner à une assoce. On va le donner à une association où on peut l'envoyer à Paris. Ouais. On va mettre un timbre dessus et puis bah ça va peut-être arriver chez Macron puisqu'il y a marqué président. Ouais. Ah ouais. Si on met un timbre, ils vont l'envoyer à qui? Bah au président. Ouais. C'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Bah voilà les amis, un like si vous avez aimé les vidéos. La chaîne de Team FPV dispo, hein, on mettra le lien et puis voilà. C'était Team FPV. Perruque. Bah ouais, c'était une perruque, on a reconnu. Et puis les lunettes. C'était des lunettes sans carreaux. C'est bien pour les gens. Sans carreaux, les amis. Voilà. Allez. À la prochaine. Tchou-tchou.